Kate Middleton accusée d'avoir fait appel à une mère porteuse. Le samedi 2 mai 2015, Kate Middleton a pris tout le monde de court en sortant devant la maternité du St. Mary Hospital avec sa baby girl dans les bras. Beaucoup pensent que Kate Middleton n'a pas accouché, mais a fait appel à une mère porteuse. La duchesse de Cambridge est sortie de l'hôpital seulement 10 heures après son accouchement. Le samedi 2 mai, Kate Middleton apparaît radieuse sur les marches de la maternité de Londres à 18h30. Elle a donné la vie à sa fille Charlotte seulement 10 heures auparavant. Impeccablement coiffée, maquillée et habillée, elle a étonné aux côtés du prince William. Certaines femmes, et plus précisément des Russes, pensent qu'elle n'a pas vraiment accouché et qu'elle a fait appel à une mère porteuse. Une jeune femme indique à un journal pro-Kremlin. Si elle a réellement donné naissance à un bébé, c'était sûrement il y a quelques jours. Regardez le bébé, il ne ressemble pas à un nouveau-né. Les théories du complot ne s'arrêtent pas là. L'enfant a dû naître de mère porteuse. Kate portait sûrement un faux ventre. Ce n'est juste pas possible de marcher comme ça aussi peu de temps après la naissance. Ou encore, c'est sûr, elle n'a pas donné naissance. Kate n'est qu'une actrice du théâtre de Buckingham Palace. Il est important de souligner que la procédure habituelle en Angleterre est de laisser sortir les jeunes mamans quelques heures après leur accouchement si tout va bien et s'ils n'ont pas eu de péridurale. Kate fait partie de ces femmes qui ont accouché naturellement et qui étaient donc en pleine forme.